Une silhouette élancée, enveloppée d'une robe de bure marron, un regard doux et pénétrant, et un sourire franc. Voilà le père Josozovko, un simple frère franciscain, destiné à une expérience extraordinaire qui a bouleversé sa vie. En 1980, il était curé à Medjugorje, lorsqu'eurent lieu les premières apparitions de celle qui se présentait à 6 jeunes enfants de sa paroisse comme la reine de la paix. D'abord incrédule, il lui fut donné de voir lui-même la Sainte Vierge, devenant ainsi, en dépit des persécutions et de la prison, le témoin le plus fidèle et le plus authentique de la présence de la Mère de Dieu à Medjugorje. Accourant du monde entier, des millions de pèlerins se rendent à Medjugorje. Certains viennent y rechercher la vérité, d'autres y renforcer leur propre foi, ou bien encore écouter les catéchèses du Père Josso qui exhorte les fidèles à vivre pleinement et en profondeur les messages de la Reine de la Paix. Demeurant actuellement auprès du sanctuaire de Notre-Dame de l'Assomption, qui est situé dans la région de Široki Brig et qui est aussi le plus vaste de Bosnie-Herzégovine, le Père Josso avait le don de la parole et de la prière spontanée. Écoutons-le. Je souhaite la bienvenue à vous tous. Je vous remercie d'avoir répondu à l'appel de la Vierge Marie. Vous ne vous êtes pas rendu en ce lieu par hasard. Personne ne vient par hasard à Medjugorje. Rappelez-vous les premières paroles que la Sainte Vierge a prononcées en s'adressant aux enfants. « Chers enfants, je vous ai choisis. » Ceux-ci furent stupéfaits. La Sainte Vierge nous a choisis. « Chers enfants, j'ai besoin de votre aide. Je vous ai invités. » Il est périlleux de quitter cet endroit comme on le fait lors d'un voyage touristique ou d'une excursion quelconque. On ne peut comparer Medjugorje ni à Lourdes, ni à Fatima. En ce lieu, la Sainte Vierge veut faire don de la prière à ses chers enfants, pour qu'à l'aube du millénaire et du siècle qui s'annonce, il soit fort d'une nouvelle expérience. La Vierge Marie prêche pour une prière s'inspirant de la vigilance, celle qui empêche à l'ennemi d'entrer dans le camp de l'autre pour y semer la zizanie. Tant d'ennemis sont entrés dans les maisons et y ont semé la zizanie avec la drogue, la zizanie avec la mésentente et l'égoïsme au sein des familles, la zizanie avec l'athéisme pratique, la vie sans prière, la vie sans amour, la vie sans éducation chrétienne et sans sainteté chrétienne. Après 2000 ans, nous sommes venus ici pour nous réveiller, pour tout observer. Rappelez-vous que dans son avant-dernier message, la Sainte Vierge a dit « Remerciez Dieu, louez-le, parce qu'à travers moi, Dieu offre de multiples dons. » Comment est-il possible d'affirmer « Ceci ne m'intéresse pas » che la Madonna ha offerto, ha regalato, che Dio attraverso lei ha fatto. No, ma conversione. Potete immaginare quante anime. Savez-vous combien d'âmes, combien de cœurs ont abandonné leurs idoles, ont commencé à emprunter le chemin de la foi? Combien de millions de personnes se sont passionnées pour le chapelet? Nombreux sont ceux qui ont adopté le chapelet comme la seule arme pour protéger leur famille. Se rendant à Medjugorje, combien sont-ils ceux qui se sont épris de l'Eucharistie et ont abandonné l'athéisme pratique et de fausses convictions?
Comment peut-on alors affirmer « ceci ne m'intéresse pas » Non, à Medjugorje, on ne peut pas le dire, parce que notre mère représente comme devant Siméon la plus grande valeur qu'elle ait engendrée et que Dieu nous a offert à travers elle, le Fils unique, le Fils et le seul Rédempteur. In una relazione interessante, davanti la croce, la croce dall'inizio. Voilà, dès le début, Marie nous met en contact avec la croix. Depuis le début, la croix est liée aux apparitions. E parla di della croce. La Vierge avec la croix, sous la croix, et qui parle de la croix. Et elle dit, « Mes chers enfants, lorsque vous priez pour la paix, mettez-vous devant un crucifix, devant la croix. Le crucifix nous apprend le sens de l'amour, donner sa vie pour les autres, faire don de soi pour les autres, prier pour les autres, intercéder pour les autres. Père, pardonnez-leur, et pour la première fois sur terre, nous avons entendu la prière pour les ennemis, pour les pécheurs, pour les derniers, pour les hommes égarés, perdus. Et celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé, a dit Jésus. Observer le Christ signifie voir notre Père même. Notre Père tient à moi. La croix du Christ m'explique que notre Père m'accorde son pardon. Je ne crains rien devant mes péchés. Notre Père m'aime et me dit, tu m'appartiens, je t'aime, j'ai gravé ton nom dans mon cœur. Combien cet amour est immense. Voilà mon fils, écoutez-le. Il nous dit qui nous sommes. Voilà la croix, le crucifix qui a donné son prix à l'homme. Un prix immense, divin. Mère, ne tue point, n'avorte pas, parce que tu tues le Christ, le Fils de Dieu. Tu n'as pas créé la vie, et tu ne peux donc attenter à la vie. Tu dois accepter la vie, et tu ne dois pas attenter à la vie. Aime Jésus, ne tue point. Aime le Christ, et ne porte atteinte ni à lui, ni aux autres. C'est pour cela que la Mère de Dieu nous met devant le crucifix qui dit « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Le Krijvak est la croix de Jésus-Christ que la Sainte Vierge a pris et choisi tout particulièrement et duquel elle nous a rapprochés. Dans son dernier message, vous avez entendu et lu que la Sainte Vierge nous appelle pour remercier et louer Dieu, et qu'elle a dit « Regardez une fleur, et dans la fleur, vous pouvez louer Dieu. » J'ai pris cette fleur. Elle possède une tige et s'achève par un calice. De ce calice sont nés les pétales qui sont parfaitement disposés. Ils ne sont point l'un contre l'autre, ils ne se disputent pas. Chacun est à sa place, dans la paix et l'harmonie. Et tous reçoivent la vie depuis le calice. E prendono tutta la vita e ordine dal calice. Che cosa può significare anche questo? Che peut signifier cette fleur? C'est ton Église. Questo calice è il. Ce calice est notre Jésus, parce que nous sommes tous nés par le Christ avec le baptême, et nous ne formons qu'un seul corps, qui est l'Église. Mais regardez le danger.
Si ce pétale dit « Je me détache de la fleur, je ne veux plus vivre avec les autres », que se passe-t-il? Le pétale est déjà mort, et cet après-midi, il faudra le jeter. Avez-vous compris? Comme cela est triste, lorsque l'homme subit la tentation de Satan qui dit « Sépare-toi de Jésus ». À quoi te sert-il? Lui. Se détacher de Jésus signifie la fin. Tout est fini. Le but de la vie est perdu. Cette fleur peut représenter ma paroisse ou ma famille. Ce calice est notre autel, l'Eucharistie. M'éloigner de la messe dominicale signifie mourir, être véritablement divisé, détaché de l'Église. Mes très chers frères, la fleur nous donne des leçons, et la Vierge la place devant nous pour réfléchir. Je souhaite être uni, je souhaite que ma famille soit unie, que mon Église soit unie. Cela signifie célébrer et se rendre en pèlerinage à Medjugorje. Je puis avec un immense amour chercher mes frères désunis du Christ, divisés parce qu'ils ont détruit le mariage, parce qu'ils ont détruit la foi, parce qu'ils se sont éloignés du Christ et sont devenus comme l'enfant prodigue. Je peux leur dire, à travers ma prière et mon jeûne, les bonnes actions, l'évangélisation, qu'il est temps de revenir vers notre Père, que notre Père attend. Mes très chers frères, dans son dernier message, la Sainte Vierge nous prend la main et nous conduit à la source et dit « Allez maintenant, regardez la source. » Si vous avez eu l'occasion d'observer une source, vous avez pu constater qu'à chaque instant jaillit une eau toujours fraîche. Elle ne se répète pas. C'est une eau toujours nouvelle qui coule. C'est ce que dit la Sainte Vierge. La prière de votre cœur est toujours nouvelle. Quelle belle image de la source. On ne répète pas l'Ave Maria. Si certains tentés par Satan vous disent « Tu répètes la prière », non, le chrétien ne peut répéter s'il prie avec le cœur, comme l'a dit et prêché la Sainte Vierge. S'il prie avec amour, s'il prie comme un fils s'abandonnant dans les bras de notre Père, sans haine, sans égoïsme, sans orgueil, sans crainte, confiant à notre Père sa propre croix, sa propre souffrance, sa propre vie, sa propre famille. La prière ne se répète pas parce qu'elle provient et est guidée par le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur et sort comme la source de l'intérieur de nous-mêmes, de notre cœur. Par la bouche ou par la pensée, elle sort toujours fraîche, toujours nouvelle, telle une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction, un nouveau don, un nouvel amour, une nouvelle transfusion dans le corps mystique de l'Église. Rappelez-vous, les vierges sages et les pauvres en esprit, ils ont reçu les lampes à huile. Pour ma part, dans notre chapelet, je vois la lampe. Dans chaque Ave Maria, je vois une nouvelle goutte qui tombe et remplit ma lampe. La lampe se remplit avec la prière, et lorsqu'elle est pleine, elle s'éclaire. L'homme qui prie ne porte pas l'obscurité, il porte la lumière. Si l'huile se consomme en éclairant sa lampe,
elle ne sera jamais vide, parce qu'il prie, et que sans cesse elle se remplira. Combien l'homme qui porte la lumière est beau. La Sainte Vierge nous enseigne, regardez la source, elle vit pour les autres. Si un pauvre arrive, il boit. Si un riche arrive, il boit. La source ne se fâche pas, elle s'offre à tous. Elle offre à tous. La prière n'est pas seulement faite pour votre fils, pour votre mariage, pour votre famille. Non, mes chers, faites don de la prière pour lui. Lui est mort pour tous. Ta prière nourrit comme le calice, chaque pétale, chaque corps mystique, chaque univers. Nous sommes chrétiens comme Jésus, amis de tous, et nous prions pour tous. Nous aimons tout le monde et voulons faire du bien à tout le monde. La prière se développe sans cesse et déplace les frontières. Les frontières de la loi. Combien de fois pardonner? Les frontières de la foi pour pouvoir pénétrer davantage dans le mystère et pour pouvoir affirmer. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, le Christ qui pense en moi, le Christ qui regarde en moi, qui prie en moi, qui aime en moi. Comme votre foi est grande, elle est merveilleuse, elle est pleine de grâce, elle est mystique, unie à Dieu, une étreinte avec Dieu. Votre prière est une embrassade avec notre Père, le plus beau moment de votre vie. C'est le moment de la prière qui consacre les autres, qui vous ouvre les yeux pour voir la conversion de tous. L'embrassade avec notre Père ne doit jamais être vide. Nous, notre génération a perdu tant de croyants. Se rendre à Medjugorje signifie être à nouveau conscient et dire « Prions pour la conversion du monde, pour la conversion des familles, pour la conversion des êtres qui nous sont chers. » Et pour toute notre génération. À l'image du pape, inaugurant le jubilé, qui a déclaré qu'il voulait ouvrir les portes aux orthodoxes, aux évangéliques, aux anglicans, aux luthériens. Le pape souhaite appeler tous les chrétiens pour ne former qu'une famille. Venez auprès de notre Père vous attend, notre Père vous appelle. Il est une autre chose importante pour nous tous. La Sainte Vierge nous amène à regarder la nature. Comme il est triste de voir une vigne inculte. Un champ non labouré est symbole de tristesse. Un jardin sans fruits est symbole de tristesse. Il faut investir dans la famille, dans le cœur des jeunes. Et ensuite, l'on verra, le champ ne cache jamais le travail. L'amour se voit toujours. Les enfants sont le miroir de ce que leur mère et leur père leur ont donné, leur ont laissé dans le cœur. Et si les parents leur ont transmis l'amour et le bon exemple, ils ne sont pas en danger parmi les autres. Mais si les parents sont absents, les enfants sont constamment en danger devant toute chose. Le mauvais exemple de la télévision, des amis, de tous les aspects négatifs qui les entourent.
Mais lorsqu'ils ont leurs parents auprès d'eux, les parents sont plus forts que tous ces ennemis. Moi, je remarque que les parents saints font défaut. Voilà le problème. Ceux qui peuvent dire à leurs enfants, « Allons prier, allons prendre le chapelet, l'arme qui arrête notre ennemi. Allons offrir nos louanges à notre Dieu. » Lorsque la famille a effacé la prière, elle a fait le premier pas vers l'athéisme pratique, l'athéisme familial, où Dieu est absent, où l'on ne prie pas, où l'on ne trouve pas la croix. La croix dérange parce qu'elle nous appelle. L'amour n'est pas aimé. Le Christ pleure et ne veut point voir l'homme qui ne prie pas. Comme l'homme est triste et pauvre quand il dit « Le temps manque, je n'ai pas le temps. Je dois courir pour posséder, posséder et posséder encore et vivre mieux. » Et vous, vous pensez que l'on élève un enfant avec une nouvelle voiture, avec votre argent, avec tous vos cadeaux? Ne faites point cette erreur. Souvenez-vous de cette maman qui a raconté dans un livre comment son mari et ses enfants étaient partis pour la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et qu'après elle avait reçu une lettre de son fils qui disait « Chère maman, tu nous as envoyés à l'école pour apprendre la musique. Nous sommes tous deux devenus musiciens. Tu nous as envoyés dans une école de langue et nous en parlons plusieurs. Tu nous as envoyés dans de nombreuses écoles, tu pensais nous enseigner de tout. Mais j'ai vu ici que tous les soldats savent prier. Et seuls mon frère et moi, nous ne savons pas prier. Mille fois par jour, nous avons peur et nous ne savons pas prier. Tous les autres s'en remettent à Dieu. Crois. Nous, nous ne savons rien. Maman, nous n'avons pas appris ce qui est le plus important. Et nous enseigne, comme le paysan qui, depuis Adam jusqu'à nos jours, cultive la terre qui nous nourrit. Aujourd'hui, nous devons apprendre que si nous voulons avoir des enfants saints et des familles saintes, nous devons être actifs, revenir à la famille, revenir à la prière, revenir de Medjugorje avec un objectif, un vœu. Être saint et mettre en pratique les commandements divins, mettre en pratique les messages de la Vierge Marie. Voici ta mère, a dit Jésus sur la croix. Voici ta mère, femme, voici ton fils. Qui est cette femme? Dans l'Apocalypse, cette femme est apparue dans le ciel ouvert, comme l'a vu Saint Jean, vêtue de soleil et couronnée de 12 étoiles, et elle attendait de mettre au monde son fils. Et devant elle se trouvait un ennemi, un dragon à 7 têtes, fort, rusé. Il attendait la naissance de son fils pour le lui prendre, le détacher de sa mère et remporter de la sorte la victoire. Il n'y est pas parvenu, parce que cette mère est la Vierge sage. Elle sait qui est l'ennemi, elle le connaît, elle ne veut point dialoguer avec lui. Elle veut l'emporter, l'écraser de son talon. Comme cela est écrit dans le troisième chapitre de la Genèse, elle doit le combattre. Et elle a choisi la guerre. Et dans la vision finale, dit Saint Jean, la femme l'emporte. La femme l'emporte avec ses anges. C'est la raison pour laquelle le Christ a dit, « Voici ta mère. » Mes très chers frères et sœurs, voici votre mère. Vous ne pouvez l'emporter sans elle. Voilà la mère dont a besoin votre peuple et votre famille. Conduisez-la chez vous, dans votre église, dans votre paroisse. Et à nouveau, avec un enthousiasme qui se renouvelle, acceptons-la. Nous voulons méditer sur la tragédie de Bethléem,
la ville de David. Re Davide ha preso ricevuto una profezia. Le roi David a entendu une prophétie. Le Rédempteur verra le jour dans la ville de David. Quand sa mère le portait dans son sein et frappait à la porte, on lui répondait « Excuse-nous, la maison est pleine, tout est occupé, il n'y a pas de place. » Que cela est triste. C'est la même main qui frappe à Medjugorje et qui appelle votre évêque, votre curé, votre ami, votre père, et vous-même. Ouvrez les portes. Mais je n'ai pas ma place. J'attends la réponse de l'un puis de l'autre. Excuse-moi, il n'y a pas de place. Mes très chers frères, ne commettez pas cette erreur, l'erreur qui a été faite à Bethléem. Je souhaite vous faire don de notre mère, le signe, l'image visible, pour que votre cœur s'ouvre profondément et dise à notre mère, « J'ai besoin de toi » pour accueillir notre mère avec joie. Nous prions, notre Père. Signore, benedici questo segno della madre nelle nostre mani. Seigneur, bénissez ce signe de la mère dans nos mains. Bénissez, Seigneur, aujourd'hui l'image de la mère que nous porterons dans nos demeures et dans nos familles. Pour la voir devant nos yeux, pour avoir la certitude de la victoire. Bénissez aujourd'hui ce signe maternel et emplissez notre cœur de paix, de joie et d'amour. Touchez, Seigneur, de votre doigt divin, cette image de notre mère et notre cœur avec un amour renouvelé. Offrez-nous la bénédiction et la grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regardez notre mère avec le cœur. Voici notre mère. Embrassez notre mère. Fermez les yeux. Posez notre mère sur votre cœur. Et continuons à la regarder avec le cœur. Votre cœur peut voir plus réellement, plus profondément. Vous êtes son fils. Notre mère est amour. Il faut observer avec le cœur. Il faut regarder avec le cœur. Voilà la mère qui est aussi la tienne. Chère mère, vous savez que je vous aime. Entrez dans nos familles, dans notre vie et restez notre mère. Qui mi ama? Demande una volta Gesù e risponde. Qui m'aime? C'est une fois demandé Jésus. Et il a répondu, ceux qui écoutent ma parole la conserve dans le cœur et la vive. Ceci même. Cette règle vaut aussi pour la parole de notre mère. Ceux qui aiment la reine de la paix écoutent sa parole et conservent son message dans leur cœur et le vivent. Sur son image, les cinq premiers messages, comme c'est beau. Vous pouvez ouvrir votre cœur et les accepter comme semences. N'ayez point peur. Chers enfants,
Je vous invite à la conversion individuelle. Voilà ce que veut la Sainte Vierge de moi. Ceci est le but des apparitions. Notre conversion, ma conversion. La grâce au travers de la Sainte Vierge est présente, forte. Je peux me convertir. Il n'est de plus grand dessein dans ma vie que cet immense engagement, la conversion. Pour l'anniversaire qui a eu lieu il y a 3 ans, la Sainte Vierge a répété « Le message le plus important que j'avais à vous transmettre, je vous l'ai déjà adressé. Convertissez-vous. Mon devoir et ma tâche est la conversion. Quand puis-je me convertir ? Aujourd'hui, à l'instant même. Ce temps est à votre disposition. Pendant ce temps, je dois témoigner ce que représente pour moi la famille chrétienne, le mariage, engagement d'amour. Alors qu'aujourd'hui, à travers le monde, l'on se déchire sous le moindre prétexte à cause de l'égoïsme et de l'orgueil personnel. Mais ce n'est pas tout. Je vois que nombreux sont ceux qui ne savent pas vivre et donner leur vie pour les autres, faire don d'eux-mêmes pour les autres. Aujourd'hui, le temps est venu de montrer cette règle de l'Évangile et de l'amour. Aujourd'hui, il est temps de montrer sa foi. Si j'ai une tombe, la tombe de nos martyrs, où nous avons enseveli 30 frères que les communistes avaient brûlés. Pourquoi ? Ils nous ont dit, « Dieu n'existe pas, Dieu est mort, le pape et l'Église n'existent pas. » Abandonnez votre état d'ecclésiastique, allez de par le monde. Que s'est-il passé ? Les frères refusaient ce type de propos. Alors un soldat s'est fâché. Il a pris la croix au mur, l'a jetée devant eux et a dit, « À présent, vous pouvez choisir la vie ou la mort. » Ils ont embrassé le crucifix l'un après l'autre. Ils l'ont baisé de leur bouche et comme saint François, ont dit, « Tu es mon Dieu, mon tout. Mon Dieu et mon tout. » Après, ils les ont pris un à un, les ont amenés dans le jardin et les ont jetés au feu. L'homme qui est capable d'offrir sa vie pour le Christ, les martyrs, illustrent où se situe la limite, la frontière, la mesure de l'amour humain pour Dieu et pour notre prochain. Siamo sempre in grado di offrire la vita per Cristo, per prossimo. Questo è l'amore. Si nous sommes toujours en mesure d'offrir notre vie pour le Christ et notre prochain, ceci est l'amour. Et la raison est sans cesse lui, le Christ, et la force réside toujours dans sa croix. Comme je pardonne, pardonnez à votre tour. Comme j'ai aimé et le Père m'aime, moi je vous aime. Aimez ainsi, vous aussi. Comme cela est beau, quel grand mystère représente cette chaîne d'amour, ce fil d'amour à travers lequel court la grâce dans tous les cœurs. L'amour ne se cache pas. C'est pourquoi la Sainte Vierge dit, ce temps est le vôtre, le temps de l'amour, de la paix, de la vie sainte, du témoignage, de notre témoignage. Témoignez votre foi. Ce temps, dit notre Mère, est le vôtre. Sans vous, notre Seigneur ne peut réaliser ce qu'il souhaite. Dieu a besoin de nous pour réaliser ses projets. La grâce vient de Dieu, mais il a besoin de nous pour transmettre et porter la grâce divine, et le nom divin, et les sacrements, et le salut à toutes les générations jusqu'à la fin du monde. Voilà la mission de l'Église, le devoir de chacun d'entre nous. Sans vous, notre Seigneur ne peut réaliser ce qu'il souhaite. C'est pourquoi le Christ dit dans la prière divine, quand vous priez, dites, « Seigneur,
que votre volonté soit faite. Voyez-vous, c'est là que réside la volonté de Dieu. C'est la prière. M'annuler, annuler ma volonté, mes projets, et accepter la volonté de Dieu. Voilà la prière. Accepter la volonté de Dieu et la connaître et la suivre sans cesse. Sans la prière, l'homme ne peut réussir. C'est pourquoi nous voyons la Sainte Vierge à Lourdes, à Fatima, à Medjugorje, le chapelet à la main. Celle-ci a offert aux voyants le chapelet. Aujourd'hui, elle désire mettre le chapelet sur votre paume comme signe de votre force. Vos cinq pierres bien lisses. David, n'aie pas peur, tu ne dois pas combattre un simple ennemi. Satan est fort, dit la Sainte Vierge, ne crains rien, je te donne cette arme, ces pierres bien lisses. Notre chapelet est notre arme personnelle, le prendre et le vivre, voilà notre mission. Prenez à présent votre chapelet et la bénédiction. Bénissez notre chapelet, nos cœurs, avec le don de la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sotto vedete cinque numeri sulla immagine, cinque primi messaggi. Au dos de l'image, vous pouvez voir cinq chiffres. Ce sont les cinq premiers messages indiqués de façon synthétique pour rappeler le programme que la Vierge nous a offert, a mis dans notre cœur et a dit « Faites ainsi pour raviver la foi, pour avoir la paix, pour réaliser la conversion. » Le premier message est un appel pour réciter le chapelet quotidiennement, pour prier avec votre famille. Courage. Le second message est l'Eucharistie. La Sainte Vierge a souligné l'Eucharistie et souhaite l'introduire dans notre cœur et dans le cœur de l'Église. Et elle a dit « Placez-la au premier rang de votre dimanche. Placez-la au premier rang de votre dimanche. » Le troisième message, la Bible. Lire les Saintes Écritures. La Bible. Mes très chers frères, notre mère dit, « Chers enfants, vous avez égaré, perdu la Bible dans les foyers. Retrouvez-la dans la famille, conservez-la dans un endroit particulier et lisez-la tous les jours. » La Sainte Vierge, alors qu'elle parlait du chapelet, a dit « Priez chaque jour. » Tandis que pour la Bible, elle a dit « Chaque jour, lisez-la. » La Bible, le chapelet, la prière quotidienne, la lectio divine quotidienne. Le Maître qui parle, et nous qui sommes devant lui à ses pieds, comme Marie, parce que nous avons choisi de l'écouter. Lui, le Maître, nous édifie par ses paroles, guérit, libère de tous les maux, éclaire notre obscurité. Nous avons besoin de la parole, et non point d'un journaliste, non point d'un homme qui souhaite nous manipuler. La seule parole qui nous libère et nous sauve est sa parole, la parole divine qui cherche notre cœur. Les autres sont de fausses paroles parce qu'elles sont humaines. Les autres sont mortes et tuent parce qu'elles sont humaines. Pour vous libérer de la manipulation, cherchez la Bible et réintroduisez la Bible dans votre vie quotidienne, dans l'éducation de vos enfants et de vos petits-enfants. Placez dans votre salle de séjour votre autel familial, une croix, puis disposez la Sainte Vierge. Voilà notre mère. Puis, ajoutez la Bible, le chapelet de la famille et l'eau bénite, et bénissez souvent aussi bien vous-même que votre famille pour vous sentir sous la protection de notre mère.
ogni mercoledì e venerdì. Coraggio. Non avere paura. Le quatrième message consiste à jeûner tous les mercredis et tous les vendredis. Courage. N'ayez pas peur. Il faut aller au-delà des simples pénitences et de quelques sacrifices. Hélas, votre Église a perdu le vendredi sous prétexte de remplacer le jeûne par quelques bonnes actions. Non, mes chers frères, l'on ne peut remplacer le jeûne et le sacrifice par rien d'autre. La pédagogie chrétienne a besoin du sacrifice. Le cinquième message consiste à se confesser une fois par mois, sans prêtre. Nous ne parviendrons pas à nous confesser. L'Eucharistie n'existe pas, et pratiquement, l'Église n'existe pas. Le prêtre est le grand miracle, c'est un don pour l'Église, pour nous tous, un signe que Dieu habite avec nous. Dieu est proche de nous, afin que nous sachions distinguer le bon et sûr chemin. L'Église ne peut pas se permettre de perdre ses prêtres. Nous en avons perdu, hélas, de nombreux. Aimez les prêtres, aidez les prêtres à vivre une vie sainte. Courage, priez pour nous. Aimez les prêtres. Votre critique est inutile. La rébellion contre un prêtre, un évêque, non. Aimez et priez pour les prêtres. E pregate per i sacerdoti. Ecco la tua madre. Ecco la tua madre qui parla. Tieni. Voilà votre mère. Voici votre mère qui parle. Conservez bien précieusement son message dans votre cœur et vivez-le. Fermez les yeux et prions avec la croix exaltée. Cristo pietà. Seigneur, ayez pitié. Jésus, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Ô Jésus, merci, merci pour votre croix, pour votre amour, pour vos plaies. Nous prions pour vous. Guérissez-nous avec vos plaies. Notre foi, notre amour, guérissez-nous de toutes les formes d'égoïsme, d'orgueil et de toutes nos peurs. Seigneur, ayez pitié. Jésus-Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Souvent, nous sommes tombés dans l'erreur et t'avons refusé avec ton amour. Nous avons opté pour notre égoïsme. Nous avons ruiné nos familles. Nous avons perdu nos enfants. Oh, nous voulons à nouveau te choisir, toi, Jésus-Christ et ton amour, ton chemin, tes enseignements. Guérissez-nous. Rendez-nous plus saints. Libérez-nous, Kyrie eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Ô vos plaies guérissent, rétablissent, ce sont des sources de paix, de bénédiction. Purifiez nos âmes de tous les péchés et de tous les maux. Rétablissez-nous et guérissez-nous et nos vies. Seigneur, ayez pitié. Ramenez la paix dans nos mariages. Jésus-Christ, pitié. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous avez dit, pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Attirez-nous, bénissez-nous, guérissez-nous, ainsi que nos chairs. Offrez votre bénédiction et vos grâces qui émanent de votre croix, de votre cœur transpercé et ouvert. Aujourd'hui,
Offrez votre grâce généreuse à nous tous, pour que nous puissions entreprendre une vie nouvelle et saine, et devenir témoins, être témoins dans l'Église et dans le monde. Ô, bénissez-nous, Seigneur, ayez pitié. Chère mère, voilà vos chers enfants. Ouvrez votre cœur, votre protection maternelle, et protégez-nous tous. Consolez les âmes tristes. Bénissez tout le monde, offrez votre grâce et votre bénédiction et comblez chacun d'entre nous de votre amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria. La catéchèse du Père Joseau s'achève en invoquant le Saint-Esprit et il impose ses mains sur le chef des pèlerins en les bénissant. C'est le moment tant attendu pour que chaque cœur affligé d'angoisse et de souffrance, après la bénédiction, retrouve la paix et l'espérance. Cette bénédiction spéciale produit chez certains un phénomène dénommé le repos de l'esprit. En entrant dans un état de demi-sommeil, la personne qui reçoit ce don du Saint-Esprit éprouve un bien-être intérieur et se sent poussée à une conversion radicale. Mais le Père Joseau est également célèbre pour son incessant et infatigable travail à travers le monde en faveur des enfants orphelins. Et avec l'aide de nombreux bienfaiteurs, il assiste à l'heure actuelle plus de 3900 orphelins. Sur la petite île de Jacquelihan, mise à disposition par le président de la Croatie, chaque année pendant l'été, le Père Joseau rencontre les jeunes orphelins et les veuves rassemblés en groupe qui se succèdent pour la période des vacances et pour une guérison physique et spirituelle. De plus, par le biais de l'Associazione Genitura Internazionale Bambini Bosnia-Herzégovina, il s'est fait le promoteur du projet de construction de l'Istituto Santa Familia Sirocchi-Brig.